This is your story. Ah, je me souviens de ce truc-là. Ouais, je suis à 24 minutes, là. Enfin, je vais être à 25. Je sais pas combien de temps ça prend, ce truc-là. Ah, putain, si, c'est... Je me rappelle maintenant, si, c'est l'espèce de mini-jeu à la con. Bon, on va le faire. Avec un peu de temps, ça ira vite. Voilà. Ici, en fait, le but, ça va être de choper ça. Voilà. Sans se faire choper par la... Là. Sans se faire choper par la... Par ça, justement, qui se pose sous mes pieds. T'es sérieux? Il a spawné sous mes pieds alors que je ramassais une boule, quoi. Sérieusement? Vengeance, m'en fous. Je pourrais fuir le combat, mais vengeance. Je crois qu'il en faut 10. Alors, le problème c'est qu'en plus... Là. Hop. Alors pour les voir apparaître en plus, bonjour. Là, 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 là. Je l'ai. Il y en a un là. Là. C'est bien d'apparaître comme ça. Donc je te vois arriver. Là-bas. J'espère que je vais la voir. Parce qu'évidemment, elles disparaissent au bout d'un moment. Mais ça va assez vite. J'ai de la chance, ça va assez vite. Là. Allez, encore une normalement, je crois que c'est 10. Hein. Oui, 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 oui. Sérieusement. Le truc qui apparaît sous mes pieds, quoi. Ah bah quoi que lui, je l'ai pas, donc... Enfin, quoi que si c'est un ver géant. Si c'est le même ver géant qui est dans, le désert, je l'ai. Hein. Mais bon, on va le tuer, on verra bien. Ah non, c'est un ver des sables dans le désert, donc là c'est un ver géant. Ouais, donc c'est un monstre que j'ai pas, ok. Oui, PV, quoi. Ah non, impossible à capturer, d'accord. Ça, c'est carrément impossible à capturer, ok. Apparemment, c'est peut-être costaud. What the fuck? J'aurais peut-être dû m'arrêter. C'est pas grave. C'est pas grave. En même temps, vu qu'on est à la fin, en général, la dernière vidéo avec le boss de fin est toujours un peu plus longue que les autres, donc... Non, pas fraternité, Ultima. Allez! Sashi le bidana. Cetto. Bof. Oui, non, mais si je termine la vidéo là, le combat final, la dernière vidéo va durer 10 minutes, quoi. I know. Jet, te voilà enfin. Hey. C'est tout ce que je trouve à dire. En même temps, qu'est-ce que tu veux qu'ils disent de plus? You got tall, but you're all bones. Bon, il est aussi bien musclé que toi, je trouve. Boy. You've really grown. Il a l'air tellement heureux de revoir son fils. Yeah, but you're still bigger. Well, I am Sin, you know. That's not funny. Bah, je crois que lui non plus, elle fait pas rire en fait. Well, then, I mean, you know. Let's end this. Ouais. Dad? Yeah. I hate you. C'est sa façon de dire je t'aime à son père en fait. I know. C'est clairement sa façon de lui dire je t'aime en fait. You know what you have to do. Ouais, je vais te péter la gueule. Yeah. I can't hear the hymn so well anymore. Pretty soon I'm gonna be Sin completely. I'm glad you're here now. One thing though, when it starts, I won't be myself anymore. Mais il y a tellement de moments dans FF10 quand tu découvres le jeu la première fois, il y a tellement de moments où tu peux pleurer mais à chaudes larmes quoi. I'm sorry. That's enough. Let's finish this, okay? You're right. Well then, let's go. Nous allons découvrir l'ultime chimère de Braska, puisque Jet est devenu cette chimère. Par contre, c'est moi ou les Tidus, ils étaient pétés à ce moment dans cette scène. Ils étaient pas écartés de manière naturelle. Hein. Peu importe. Cette musique. I promise this will be quick. Cette musique. Par contre, Yuna, tu dégages. J'ai pas besoin de toi pour ce combat. Je crois qu'il faut se débarrasser... Non. On peut s'en débarrasser des piliers ou pas? Je me rappelle plus. Ou on s'en branle. Je crois qu'on s'en branle en fait. Ah, il y a une astuce. J'ai été détruit par la voix de Tidus. Jet perd de la puissance. Ah! Ok, on doit les faire les piliers. Bah écoutez... Non, hors de portée, ok. Il me faut Wakka. Il me faut Wakka. Hop. Bah vous savez quoi? ça c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Attends, c'est pas déjà fini quand même. Non, c'est pas déjà fini. J'ai eu peur à l'instant. Mais non, on aurait vu Overkill sinon. Ah oui, l'épée. Deuxième phase du combat, l'épée. Bah les piliers, à plus piliers. Jet est troublé. Jet perd de la puissance. D'accord. Oh putain, en plus on l'entend crier, c'est juste horrible quoi. En fait, Tidus peut le déconcentrer en fait, c'est carrément ça. Ok, Jet entend plus qu'on lui dit, c'est bon. Les piliers. Même pas mal. J'aurais peut-être me mettre en booster en fait. Ah, je viens de penser à un truc. Lui c'est bon. C'est pas bon le fait qu'il n'entende plus la voix de Tidus, sûrement. Il y a des trucs dont je me rappelle plus très bien, hein, je vous avoue. Non. Vous savez quoi? Hop. Parfait. J'ai pris un risque en me soignant pas, mais en même temps... Ouais bah j'ai pris un risque mais j'assume. J'ai pris un risque mais j'assume. J'ai bien fait de le prendre. En même temps, l'overdrive combo de Wakka, il est juste overpété quoi. C'est juste overpété cet overdrive. Yu Yevon s'est retiré de l'ultime chimère. Cry. See? You're crying. I hate you, Dad. Je te hais de t'aimer autant, c'est tellement ça en fait. Save it for later. Right. We've got a job to do. Don't we? Good. That's right. You are my son, after all. You know, for the first time I'm glad to have you as my father. Subject. No. Yuna, there's no time. You stay away! Yuna, you know what to do. The Aeons! We Aeons. Call them! Call us! Yes. Here it comes! Et voilà, l'épée de jet sera notre ultime zone de combat. Là pour le coup que l'orbe entre dans l'invocateur pour la forcer à utiliser l'ultime chimère, j'ai trouvé ça logique, ouais. On y va. Il est temps de détruire les chimères et de libérer les priants de leurs rêves. Ah oui, j'ai pas été soignée au passage. C'est pas grave. C'est vrai qu'en plus on a auto-auréole infini en plus, donc c'est vrai que ce combat, le combat des chimères se fait avec auto-auréole, donc Mais le problème en fait c'est que la plupart des armes utilisent la vie des persos pour faire le max de dégâts, donc hop, voilà. Voilà, overkill, bam, et d'une. C'est vrai qu'elle passe tout en forme purgatrice, hein, mais c'est que des pâles copies des purgatrices. Hein. C'est clairement que des pâles copies des purgatrices. Hein. Allez, valet fort, c'est fait. Ifrit. Oui, c'est ça, ça. C'est pour ça qu'on a auto-auréole, ce combat est purement pour le scénario en fait. C'est juste pour montrer qu'on doit mettre fin au règne des chimères, les anéantir à jamais, et donc mettre un terme à, bah, à l'existence des invoqueurs. Hein. Afin de forcer Yu Yevon à se montrer sous sa vraie forme. C'est vrai que Ifrit est rapide et Auron manque de précision. D'ailleurs, maintenant que j'y pense, techniquement, puisqu'on parlait de d'une possible mauvaise fin. Une mauvaise fin qui aurait été facilement créable, je veux dire, c'est le fait de ne pas avoir les chimères secrètes et que justement, vu que tu les as pas, bah, Yu Yevon pourrait les récupérer et nous one-shot parce que justement, on n'a pas les purgatrices, donc on ne peut pas les éliminer parce que Yuna ne les contrôle pas. Ça aurait pu être une bonne façon de faire une mauvaise fin. et donc de faire découvrir à la fin du jeu aux joueurs qu'il y a des chimères secrètes. Mais bon. Ah, ouais, en même temps... Ouais, bon, toi t'as de la précision, heureusement. Wakka, il en a de la précision. Shiva! Par contre, j'avoue que je n'aime pas la couleur de Shiva en mode purgatrice. Le fait qu'elle passe du bleu au vert, je suis pas très fan de cette couleur, moi perso. Ah, Auron a quand même touché une chimère. Mais c'est one shot à répétition, quoi. Finalement, le auto-auréole, il sert à rien puisqu'elles peuvent même pas me toucher, les chimères, pour l'instant. Bahamut! Ça a peut-être changé avec Bahamut et Anima. Et encore, je suis même pas sûre. Ah bah c'est overkill pour... Enfin one shot pour Bahamut. J'avais espéré qu'elles auraient au moins un peu de résistance, mais que dalle. Alors maintenant Anima. Quoi que non, Yojimbo d'abord. Ah d'accord, donc en fait elles ont les mêmes stats que mes chimères à moi, d'accord, ok. Ah bah oui, donc comme je les ai pas du tout entraînées mes chimères, tu m'étonnes qu'elles sont hyper faibles. Tu m'étonnes qu'elles sont hyper faibles, heureusement que... Finalement, heureusement que je les ai pas entraînées mes chimères. J'ai pas utilisé les chimères de tout le jeu en fait. Quasiment jamais, bah jamais en fait. À quel moment j'ai utilisé mes chimères? Bah pour les combats contre Belgaming, sinon je les ai pas du tout utilisées les chimères. Et hop là! Oh putain, le overkill à 85 000! Ouais, pourquoi pas. Bon, techniquement, si Yuna a son Spira à fond, les autres aussi, hein, donc je serais quand même overpété, hein, parce que j'aurais buté les chimères purgatrices entre temps. Hein. Mais je pourrais vous faire ça, oui. Allez, maintenant Anima. Ouais, moi je fais Yojimbo avant Anima, parce que techniquement, on a récupéré Yojimbo avant Anima. Je sais pas pourquoi il est... Je sais pas pourquoi Anima est avant. Oh non, 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 bah heureusement. Heureusement que je n'ai pas de... Que je n'ai pas analyse sur l'arme, j'ai pas envie de les entendre me supplier de les tuer. Anima qui est toujours aussi gigantesque. Comment est-ce qu'Anima peut esquiver vu qu'il est, dans le sol? Allez. Il n'y a plus que les Magus maintenant. Et après, après le boss de fin, Yu Yevon. Oui, Yuna, on sait que c'est dur, mais il en reste plus qu'une. Pas techniquement 3. Tiens d'ailleurs, comment est-ce que Yojimbo... Comment est-ce que Yu Yevon peut prendre possession des Magus vu qu'elles sont 3 chimères et pas une? Comment il fait pour prendre possession de 3 chimères en même temps? Bonne question, tiens. Parce que les Magus, c'est pas une chimère, c'est 3 chimères en une en fait, hein, encore une fois. Alors je sais que celle qui a le moins de vie, c'est Annabella, donc la petite abeille. Ah ok, il se divise en 3. J'ai rien dit, il se divise en 3. Même si c'est pas très cohérent, mais bon. Raté, évidemment. Raté. Raté. Oh putain. Par contre, si elle commence à... Vous savez quoi? Ah non, mais ça c'est Auron. Si elle commence à esquiver, par contre... D'accord, il y a un priant, mais il y a 3 âmes dans le priant, donc ça reste quand même... Enfin, moi c'est la même chose que la chimère, c'est 3 priants en un seul, puisqu'il y a 3 âmes dans le priant. C'est vrai qu'on n'a pas été revoir les priants après avoir récupéré les chimères, ce qu'on peut faire techniquement. Mais il y a 3 priants, il y a 3 trucs dans le... Il y a 3 âmes dans le priant, c'est ça que je veux dire. Voilà! On n'en parle plus. Vu qu'apparemment vous avez une esquive de malade, vous. En même temps, vous êtes un peu les chimères les plus puissantes. Voilà, à plus de chimère. Et voici donc le véritable ennemi. Qui n'a plus du tout forme humaine. Je rappelle qu'à la base c'était un humain. Mais il n'a plus du tout forme humaine depuis le temps. Everyone, this is the last time we fight together. Okay? Huh? What I'm trying to say is... Je vais disparaître. After we beat you, Yevon, I'll disappear. What are you talking about? La musique! Musique. Il le faut, Yuna. I'm saying goodbye. Not now. I know it's selfish, but this is my story. C'est l'histoire de tout le monde, Tidus. Alors, il me tue, Tidus. Il arrête pas de répéter tout le long du jeu que c'est son histoire à lui, mais c'est l'histoire de tout le monde, techniquement. Bon. Quoi? Mais quoi? cette exécution, quoi. Ah, je regrette pas d'avoir fait la fin du jeu aujourd'hui. Ah, c'était génial, c'était magnifique. Don't stop. But I... It's all right. It's been long enough. This is your world now. Yuna, I have to go. I'm sorry I couldn't show you Zanarkand. Goodbye. Hey! We're gonna see you again! Yuna! Huh? It's time. Everyone has lost something precious. Everyone here has lost homes, dreams, and friends. Everybody? Now, Sin is finally dead. Now, Spira is ours again. Working together. Now we can make new homes for ourselves. And new dreams. Although I know the journey will be hard. We have lots of time. Together, we will rebuild Spira. The road is ahead of us, so let's start out today. Just one more thing. The people and the friends that we have lost. No dreams left free. Never forget them. Cette fin, excusez-moi, cette fin me met toujours dans tous mes états, malgré tout. Que voulez-vous? Ben voilà, pour ce qui est du scénario, nous en avons terminé avec FF10. Pour ceux que ça intéresse, je vais faire des épisodes pour les chimères purgatrices. Ainsi que les monstres du sang l'entraînement. Mais en tout cas, le scénario, c'est fini. Alors n'empêche, j'avoue que j'ai roulé littéralement sur la fin du jeu. Ce one-shot de Yu Yevon m'a quand même scié. Je ne m'attendais pas à le one-shot lui aussi, mais bon. En tout cas, voilà. Donc, évidemment, je m'occuperai des chimères purgatrices et des monstres du sang l'entraînement. En stream, hein, toujours évidemment. Donc comme ça, j'aurai mon chat et tout ça pour me conseiller en cas de besoin. Mais j'ai encore du farm à faire, donc ne vous attendez pas à avoir une vidéo par jour de chimère purgatrice. J'ai encore pas mal de farm à faire et d'objets à récupérer pour monstres fermiers et tout. Mais en tout cas, j'ai bien avancé. Il me reste à récupérer les monstres dans le corps de Sin pour débloquer les derniers monstres du sort d'entraînement, ainsi que les sphères qui me permettront d'effacer... les sphères inutiles du sphérié et ainsi pouvoir customiser ce dernier et tout. Donc après j'aurai plus qu'à entraîner mes persos pour qu'ils puissent parcourir le sphérié en entier. Mais voilà. Bah écoutez, pour YouTube je vais donc vous laisser la fin du générique et comme tout FF qui se respecte, bah il y a une scène post-générique. Donc pour YouTube, profitez de la musique de fin, la chanson, le générique, et voilà. Quant à Twitch, bah, je vais me mute hein, pour la vidéo, mais je vais laisser avec vous pour l'instant. Et voilà. Allez YouTube, comme d'habitude, mettez un pouce bleu, un commentaire si vous avez aimé, dites-moi ce que vous en avez pensé. Abonnez-vous à ce page-là, faites-la connaître, n'hésitez pas à venir sur Twitch pour voir d'autres choses, hein, on ne sait jamais, je fais d'autres trucs qui pourraient vous intéresser. Et on vous laisse là. Ciao tout le monde!